pipe is good. Sur Canal+, c'est le retour de Clic tous les soirs 19h15 en clair et on est en direct, on aura un duplex avec nos amis du foot de Canal et j'ai un tour de table magnifique, Freddy Gladieux, Pauline Clavière et le grand retour de Redouane Bougueraba, Charlotte Gauthier. Et le magnifique, il est beau, t'es très beau. Merci. Yacine Bellous. Alors, ce soir, on va cliquer sur un des films les plus attendus de la rentrée, le nouveau film de Cédric Jiménez qui s'appelle Novembre. C'est un film qui parle de ce qui s'est passé le 13 novembre. D'ailleurs, j'adresse toutes mes condoléances à toutes les familles des victimes, évidemment. Une grande pensée à toutes les victimes du terrorisme en France. On pense très très fort à toutes les familles qui ont été endeuillées par le terrorisme. Mais on va en parler avec deux personnes qui ont côtoyé la réalité. C'est un peu ça le concept de Clic cette année. On prend la fiction pour le ramener à la réalité et raconter la société. On aura le juge antiterroriste Marc Trévidic avec un ancien membre du RAID, Marc Verriot, dans un instant. On va également être en direct avec l'équipe du foot de Canal+. Je suis un peu bizarre, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Vous allez voir. Vous allez pas le croire. Il s'est passé un truc de fou. Voilà. J'arrive, il y avait Kanye West, il était là. Mais casse pas le délire, tu dois raconter. Non, mais j'arrive. Je suis pas prêt, je viens à Clic, il m'appelle. Non, mais je le vois là, avec ses fausses dents, comme ça, avec un t-shirt White Lives Matter. Je comprends pas. Il me dit, where is Mouloud? Mouloud, il cherchait Mouloud. Ouais, devant la porte. Mais je suis pas un mytho. Il te cherchait. Moi aussi, je voulais le raconter, mais ça fait mytho. J'ai un copain, Mike, je lui passe le bonjour grâce à ma pote Nage. Il m'appelle et il me dit, tu veux toujours faire un truc avec Kanye? Je dis, bah ouais. Il me dit, bah lui aussi. Je dis, ah ouais. Il me dit, on arrive. Je dis, comment ça? Comment ça, on arrive? Bah, on arrive. 10 minutes après, il me dit, je suis en bas. Je descends. Il me dit, monte dans le van. Oh. Je monte dans le van. Et il y a Kanye West avec des bottes, des dents de Kanye West. Ouais. Il me dit, on va faire un tour, on va se balader à Paris, on fait un tour sur l'Arc de Triomphe, on parle, comme quand je faisais des tours de périph' avec mes potes, même ambiance. Après, on va dans ses bureaux, on discute et tout ça, et il est venu chez Clic. Il faut savoir qu'il a refait toute la direction artistique du plateau en même pas 10 minutes. Il a réinventé le plateau. Non, mais c'est magnifique ce qu'il a fait. C'est réellement un génie. Et il nous a donné une interview dingue. Et là, on est en duplex avec nos amis du foot et un Clic-X avec Kanye West est dans la boîte. Ouais. Comment ça va les amis? Je suis avec Sidney Govou et Paul Tchoukriel. Comment ça va les gars? Ça fonctionne là. Ça va et toi Mouloud? Ça va bien. Salut la Clic. Eh, vous êtes au courant qu'on a fait Kanye West? Très bien, merci. Ouais, on vient d'apprendre. Ouais, vous pouvez dire aux joueurs de foot qu'on a fait Kanye West ou pas? Pour qu'ils viennent. On s'en occupe, on les attend et puis ce sera la première chose qu'on va leur dire, promis. Ok, c'est la magie du direct, je suis très content de vous retrouver les gars. Je tiens à vous féliciter pour votre super travail avec le service des sports de Canal. Tout ce que vous faites, c'est magnifique. C'est quoi les enjeux du match Benfica-PSG ce soir à 21h? Allez, le sang. Un gros match, hein, puisque les Parisiens et les Benfiquistes, les joueurs de Benfica, sont invaincus depuis le début de la saison et ils ont tous les deux gagné leurs deux premiers matchs de Ligue des Champions. On a donc un choc au sommet dans cette poule entre Benfica et le Paris Saint-Germain dans ce magnifique Estádio da Luz à Lisbonne. Il faut savoir que Benfica, c'est le club le plus populaire du Portugal, qu'ils seront poussés, les joueurs de Benfica, par 65 000 supporters qui n'attendent qu'une chose, Sidney, c'est de faire tomber le Paris Saint-Germain. Oui, mais voilà, Paris doit gagner. L'enjeu numéro un, c'est de réussir à battre Benfica pour finir premier du groupe et se qualifier dans des bonnes conditions pour la suite de la compétition. Oui, c'est l'enjeu principal de ce match. Paris, quand vous êtes le Paris Saint-Germain, vous devez gagner tous vos matchs, entre guillemets. Donc Paris vient ici pour gagner. Paris, pour moi, est supérieur à Benfica. Maintenant, en face, c'est quand même une équipe qui fait forte impression depuis le début de cette saison. Mais bon, Paris a quand même un temps d'avance et surtout assurer cette première place
qui permettrait aux Parisiens d'avoir un tirage entre guillemets un peu plus clément pour les huitièmes de finale. Ouais, ce sera très intéressant puisque si Paris gagne, les Parisiens ne sont pas encore mathématiquement qualifiés, mais ils auront fait un très très grand pas vers la qualification en attendant de recevoir la semaine prochaine lors du match retour cette équipe portugaise au Parc des Princes. C'est quoi l'ambiance à Lisbonne là? Pour l'instant, c'est calme parce que le stade est en train de se remplir tout doucement. Il fait un petit peu plus chaud qu'à Paris, mais on a vu aux abords du stade qu'il y a déjà pas mal de supporters qui nous ont gentiment chambrés. On est arrivé avec nos costumes et nos chemises blanches. Ils sont tous en rouge, donc on n'est pas passé à travers. Et en tout cas, ils sont tous prêts là pour mettre le feu. C'est une ambiance. Ce stade, il est surnommé la cathédrale. Hein. C'est pour vous planter un petit peu le décor et pour que vous compreniez que d'habitude ici, ça fait beaucoup de bruit. Et que les Parisiens vont devoir aussi subir cette ambiance-là et résister à cette tempête lisboète. Je vais vous poser une question relou, c'est quoi le pronostic pour vous? Est-ce que vous avez un pronostic? Je pense que Paris va gagner, mais ce sera très difficile, une victoire 2-1 pour moi. Le 2-1 est assez facile. Quand on n'est pas sûr, on dit 2-1. Moi aussi, j'irai 2-1. Redouane, pourquoi tu fais cette tête? Mon pronostic, il est là. Mbappé. Non, mais j'espère que Sydney nous entend. Nous, on a tapé des Portugais hier, on a tapé Porto, oui. 4-1. J'espère que ça va les inspirer. C'est qui, nous? Nous, c'est Marseille. C'est... D'accord. Tu vois l'étoile sur le maillot. Il n'y en a pas, là, d'étoile. Tu vois, il n'y a pas d'étoile sur le maillot. Seul club à avoir une Champions League. Du coup, on a tapé Porto hier et j'espère que, voilà, on va montrer le chemin. Freddy, tu vas regarder? On va les supporter, oui. C'est sur Canal+ en clair. Je vais regarder, je voulais savoir si Di Maria jouait ce soir. Non, il n'est plus à Paris, frérot. Non, il est plus. Mais de l'autre côté. Ah non, il est... Non. Pardon, je dis n'importe quoi. Il est à la Juventus. Il est à la Juventus. Non. Bah, c'est bien. Pardon, je suis en 97. Ah oui, Freddy. Pardon. Gobu, mais pourquoi Gobu est pas sur le terrain, il joue pas? Ah, je suis vraiment le foot de l'époque, non, pardon. Sidney Gobu, il est sur Canal+ maintenant. Ah, ok. Je suis vraiment de l'époque, ça va. Merci les frérots, merci beaucoup. On vous embrasse. Bisous. Merci à tous, à vous. Merci sur le canal. Gros bisous. Bon, c'est une émission particulière. Ronaldinho, il joue encore à Paris. J'étais persuadé, mais non, c'était face à la Juve où ils ont joué. C'est Paris a joué face à la Juve, on se demandait si c'était là. Freddy, tu peux ne rien connaître au foot. Ça, c'est le. C'est possible. Ça, c'est un maillot de squash. Ils ont enlevé les sponsors, c'est devenu un t-shirt. Ouais. C'est très très beau. Ah, juste une étoile. C'est très Redouane Bougueraba est en direct. Je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est de tout ce qui peut se passer. J'ai un message à Yann Barthès. Non, ici on n'envoie que de l'amour. Ouais, ben c'est je t'aime, I love you. Voilà. I love you. Exactement. On va passer en revue l'actualité du jour. On commence avec cette info. Lundi a débuté le procès de 17 prévenus jugés pour cyberharcèlement envers le chanteur Eddy de Préto. On vous explique l'affaire. 17 personnes comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris depuis lundi pour harcèlement aggravé en ligne visant Eddy de Préto. Les faits remontent à juin 2021, après que le chanteur ait interprété son titre « À quoi bon ?», dans lequel il évoque ses difficultés à concilier son homosexualité et la religion. Posté sur Instagram, l'artiste avait reçu près de 3000 messages d'insultes sur les réseaux sociaux. « Chanter sodomie dans une église, ça t'a plu ? Oublie pas de bien regarder derrière toi en marchant. » Un déferlement de haine qui fait écho au cyberharcèlement subi par d'autres personnalités, comme l'influenceuse Léna Mafouf. Il y a plein de choses, je ne peux plus les partager parce que j'ai peur que je me fasse tuer dans la rue. Ou encore la journaliste Christine Kelly, menacée de décapitation dans une série de mails et de SMS sur son téléphone personnel l'année dernière. On n'a pas le droit aujourd'hui d'être harcelé, d'être méprisé uniquement parce qu'on fait son métier. Le coupable de ce harcèlement vient d'être condamné aujourd'hui à 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Concernant Eddy de Préto, le procès doit durer jusqu'à vendredi. Chemise très moche. Pour parler cyberharcèlement, on est avec Alexandre Archambault. Vous êtes avocat spécialiste dans le droit numérique. Vous allez dans les collèges pour faire de la prévention, pour sensibiliser les plus jeunes. Merci d'être dans Clic. Bonsoir. Là, on vient de voir un procès qui est celui d'Eddy de Préto, une condamnation qui est liée à Christine Kelly. Est-ce que les internautes ont conscience que maintenant, c'est un crime? C'est déjà en tout cas un délit, mais clairement, oui, il faut faire passer le message, il n'y a pas d'impunité en ligne. Il y a un sentiment d'impunité, clairement, on verra si on peut l'expliquer, mais il n'y a pas d'impunité, il n'y a pas de fatalité à la haine en ligne, au cyberharcèlement et à toutes ces problématiques. Alors, à partir de quand on est un cyberharceleur?
à partir comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie. Il n'y a pas, effectivement, c'est pas parce que c'est virtuel que les conséquences ne sont pas du tout réelles. Au contraire, voire même aussi, le harcèlement en ligne, parce qu'il est beaucoup plus massif, fait beaucoup plus de dégâts qu'en physique. Et donc, c'est pour ça, c'est pas parce que c'est virtuel que c'est pas grave. Ce n'est pas de la blague de cours de récré. C'est quoi les dégâts que ça fait ? C'est intéressant. Comment ? Les dégâts, c'est électrique. Ça désingue le cerveau des plus jeunes. Parce que, mettez-vous à la place. Et ça, quand on intervient dans les collèges, les plus jeunes savent très bien faire preuve d'empathie, de se mettre à la place des victimes. Est-ce que vous accepteriez de recevoir, comme Eddy de Préto, 3000 messages en l'espace de quelques minutes ? C'est d'une violence terrible. Alors, effectivement, quand vous êtes une personnalité publique, vous avez effectivement peut-être la carapace, mais on voit que quand même, ça laisse quand même des traces. Mettez-vous à la place de monsieur et madame tout le monde. C'est terrible. Meilleur exemple, c'est Mila. Sur quoi il se base, justement ? Il n'y a pas de précédent, la jurisprudence, elle est en train d'être créée. Comment on juge ? Comment, pourquoi le harceleur de Christine Kelly va prendre 18 mois ? Certains jugeront que c'est peut-être pas assez. Parce que des menaces de mort, de décapitation, ça paraît fou, quoi. Non, mais déjà, d'une part aussi, il faut avoir à l'esprit que la plupart des harceleurs, en fait, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. C'est des personnes qui se lâchent sur les réseaux. L'écran, c'est quelque part la nouvelle bagnole du XXIe siècle. Ça désinhibe totalement. Et lorsqu'on leur dit, mais est-ce que vous seriez capable de tenir ce discours les yeux dans les yeux ? Ça n'existe pas, ça. Non, et dans les procès, c'était ça. Les prévenus se disent, je suis peut-être allé un peu loin. Et en fait, de tout ça, c'est un manque de sensibilisation. Et c'est pour ça que nous autres, juristes, magistrats, avocats, on va à la rencontre des plus jeunes pour essayer de leur dire non, c'est pas parce que c'est virtuel qu'on peut tout faire. Et comment réagissent les harceleurs quand on les confronte aux victimes, quand on les confronte à ce qu'ils ont fait ? Ah bah, y a déjà une constante, 99% de ceux qui la ramènent en ligne, lorsqu'ils sont devant un juge, ils regardent leur pompe, voire même limite, ils font dans leur froc. Voilà, ça veut tout dire. C'est-à-dire que lorsqu'on est confronté à la réalité de ces actes, on prend conscience du mal qu'on fait aux victimes. Et ça touche tellement de monde. Je suis allée voir des chiffres tout à l'heure. C'est incroyable, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Il y a une étude de Ipsos qui dit que les moins de 35 ans sont touchés à 74%. Oui, 74% des moins de 35 ans ont déjà été harcelés. Donc, ce n'est pas que les personnalités publiques. Non, c'est ça, justement. C'est-à-dire ce qu'on peut reprocher un petit peu. C'est vrai qu'effectivement, qu'il y ait ce genre de procès de harceleurs, c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'il y a encore peu, lorsqu'on poussait la porte d'un commissariat sur des problématiques de harcèlement, on s'entendait dire, maître, votre client, peut-être, il a un peu cherché. C'était un peu comme la taille de la jupe. Non, c'est inacceptable. Freddy, toi, inacceptable. Freddy, tu es très présent sur les réseaux sociaux. Tu travailles dessus. Est-ce que toi, tu as déjà eu des messages bizarres ou des gens qui ont pu affecter ton moral ? Non, j'ai plutôt été... En fait, pas comme Lénard, par exemple, qui, pour le coup, c'est très, très big. Moi, c'est moindre. Et plus t'es big, plus t'es touché par ce truc-là. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des petits trucs, mais généralement, j'ai de la chance, les gens sont plutôt bienveillants. Mais évidemment, sur les 99% des gens qui peuvent t'envoyer de l'amour, le 1% qui t'envoie de la haine, tu le ressens... puissance 1000, je sais, autour de moi, ça peut déséquilibrer des gens, ça peut t'empêcher de créer par la suite. Tu te dis, ah ouais, mais est-ce que je le fais de cette manière-là ? Et après, quand c'est des menaces, c'est encore pire. Pour le coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment fat. Mais évidemment que ça peut te déséquilibrer. Mais je sais pas ce que ça peut donner, ce truc-là, parce que la réalité, c'est qu'au quotidien, on est ce qu'on est et on est plutôt poli dans la vie. Pourquoi ? Parce que nos parents nous ont éduqués et l'école nous a un peu éduqués. Mais là, ni les parents nous éduquent sur les réseaux, ni l'école. Est-ce qu'on peut éradiquer ce truc-là ? Ou est-ce que c'est nous, la prochaine génération, qui allons avoir des enfants, qui pourrons le faire ? Justement, c'est une responsabilité qui est partagée. On a toujours tendance un peu à mettre un peu la focale sur les plateformes qui ont une part de responsabilité. Certains réseaux sociaux ont un modèle économique qui privilégie le clash, le buzz et donc les contenus clivants. Et en plus, on s'enferme dans des bulles de filtre. On a tendance à discuter qu'avec des gens qui sont d'accord avec vous. Et donc, ça alimente cette foule vengeresse. Mais c'est très, très juste ce que vous dites. Cette responsabilité, elle est partagée. Nous autres utilisateurs, on doit effectivement réfléchir à deux fois avant de faire un commentaire sous le sceau de l'émotion, comme dans la vraie vie. Est-ce que dans la vraie vie, des fois, on se dit « Non, je vais tourner cette fois dans l'angle, dans l'angle. » On devrait effectivement tourner son pouce cette fois sur son écran avant d'envoyer le tweet ou faire un like. Il y a ce l'éducation. Ce débat qui est pour moi un faux débat, qui est le débat de l'anonymat sur Internet. Plein de gens disent « il faut supprimer l'anonymat », mais on a une époque où des gens se sont rendus célèbres grâce à leur méchanceté sur Internet. Donc finalement... Ils ont dépassé ce débat de l'anonymat. Comment on fait ? Non, et il faut savoir que sur les procès en cours, il y a une partie significative de harceleurs qui l'ont fait sous leur véritable identité. Donc, l'anonymat, le pseudonymat, qui n'en rien, il faut savoir que juridiquement, on n'est pas anonyme sur Internet depuis 2004. C'est-à-dire que sur Internet, même si vous avez un pseudo,
c'est comme en fait votre voiture ou votre scooter. Mmh. Est-ce qu'il y a votre nom de famille sur la voiture ou le scooter? Non. Par contre, il y a la plaque d'immatriculation qui fait que si jamais vous avez le pied un peu lourd, on vous retrouve en 15 jours. Et la justice retrouve systématiquement. Et sur Internet, c'est exactement pareil. Okay. Alors systématiquement, je n'irai pas jusque-là parce que malheureusement, une fois qu'on a dit ça, il y a la problématique des moyens. On est dans un pays qui se distingue au niveau de l'Europe. On est en queue de classement sur les moyens qui sont consacrés à la justice. Donc en fait, il faut une police d'Internet, des juges d'Internet. Pas nécessairement, mais effectivement, il faut des moyens. C'est-à-dire qu'on a un droit. Le droit est déjà outillé pour pouvoir poursuivre la haine en ligne, comme nous l'ont montré les procès. Mais pour un édit de Préto, vous en avez 99 autres qui n'ont pas cette exposition médiatique et qui passent à travers les coups de un trou de la raquette. Et lorsqu'ils poussent la porte d'un commissariat, ils s'entendent dire « on a un peu autre chose à faire ». On ne peut pas accepter ça. Donc quand on se proclame patrie des droits de l'homme... Il faut créer un secteur de cyberpoliciers, justement. Ça existe. Oui, mais ils sont plus sur la fraude ou d'autres... Ça existe pour vous. Pour vous donner... on va lancer l'idée, mais il y a effectivement des magistrats qui sont spécialisés sur la haine en ligne. Ça, c'est effectivement un héritage de la loi Avia qui avait été désinguée sur d'autres sujets par le Conseil constitutionnel, mais qui, sur cet aspect-là, portait plutôt bien les choses. Simplement, une fois qu'on a dit ça, ils sont... alors, je vous parle, il n'y a que 4 magistrats qui traitent de ces sujets-là pour toute la France. Ah, c'est faible. Et on est sur, comme vous le disiez très justement, on est sur un contentieux de masse. C'est comme les délits routiers, c'est comme le téléchargement illicite. Une fois qu'on a dit ça... La justice en a conscience, ils vont changer ça? La justice en a conscience, mais le problème, ce n'est pas la justice qui décide de son budget. Ce sont nos politiques qui ont une véritable part de responsabilité depuis 5 décennies en plaçant la justice, qui est quand même un des piliers de la République avec l'éducation, c'est très important, et la santé, en tout qui cas, place dans un état de déshérence structurelle. On espère qu'ils vous écoutent et qu'ils vous regardent en col roulé. Merci beaucoup d'être venu. On passe à la quicheta du jour. Alors, la quicheta du jour, c'est une distance 3600 km. J'ai un indice pour vous. Qui va partir. Bientôt. Char à voile. C'est le char à voile de Mbappé. C'est la route avec Kanye West autour de l'Arc de Triomphe. Hein? La plus longue distance parcourue en char à voile. Non, Charlotte. J'ai beaucoup de Pauline. Je dis, c'est Mouloud avec Kanye West autour de l'Arc de Triomphe. km, c'est la distance aller-retour entre Paris et Lisbonne. Les joueurs du PSG font cette distance en avion, mais leur bus le fait à vide. À votre avis, est-ce que vous savez pourquoi, eux, ils vont en avion et le bus à vide? Les équipements, non? Presque. Ah ouais. Les équipements, tous les affaires pour le foot, et les ballons, les maillots... Ça rentre dans un avion, normalement, aussi. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Ah, c'est pour faire juste à distance de l'aéroport au stade? Non. Non, je vous explique, parce que vous êtes Gaulmont. Excuse-moi. Non, je rigole. Non, c'est en fait, c'est un bus blindé. Et c'est pour leur sécurité, en fait. Il faut que ça soit un bus qui puisse les emmener partout avec leur norme de sécurité à eux. C'est ce que j'ai dit, mon nom. Non, t'as pas dit ça. Ils récupèrent à l'aéroport, il faut les ramener au stade. Donc, sécurité. Mais t'as pas dit blindé. Mais ils arrivent en avion, les poteaux. Soyez vifs. Vous écoutez pas. Excellente stratégie. Pourquoi le Marseillais, il a jamais tort? Parce qu'il a toujours raison. C'est raison. Mais c'est pour les récupérer du... Mais c'est logique, les implacables. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont vrai. Dans le vrai. Attends, tu nous as tous convaincus. Redouane, il n'a jamais tort. Voilà. Redouane, il n'a jamais tort. Je n'encourage pas. Oui. Non. Kenny West, tout à l'heure, il m'a dit « You have tort, wrong. You have tort. You're so tort. » Ce soir, sur Canal+, vous pourrez suivre la Ligue des Champions avec le match Benfica-Lisbonne-PSG à 21h. Il y a une info, Charlotte, les joueurs de Fortnite aujourd'hui gagnent quasiment plus que les joueurs de foot. Ouais. C'est une honte. C'est une honte. Remonté. En tout cas, eux, ils sont contents. C'est une étude de Money Transfer qui dit que les plus célèbres joueurs d'e-sport de Fortnite gagnent à peu près autant que les joueurs de Ligue 1. Mm. Un joueur moyen de Ligue 1, ça gagne environ 8 500 € par an. Donc, on enlève le PSG parce que là, c'est des salaires qui sont exorbitants. Oui. Ouais. Et en comparaison, les 12 meilleurs joueurs de Fortnite ont gagné tous plus d'1 million d'euros par an pour les compétitions. Ah, c'est énorme, déjà. Et le meilleur qui est Kyle Bouga-Giersdorf. Bouguerabba. C'est encore un Bouguerabba. Lui, il a un salaire annuel, du coup, grâce à la compétition, de 3,5 millions d'euros. Donc, c'est à peu près le même salaire que Nabil Fekir, Valère Germain ou Dimitri Payet, qui sont tous en ligne. Redouane, je vois qu'il est chaud. Il a envie de s'entraîner à Fortnite. Ce qui me choque, tu as des joueurs, des vrais joueurs professionnels, des mecs qui courent sur le terrain, qui ont fait une formation toute leur vie pour jouer au niveau, au foot. Là, tu as des mecs, c'est de la console. Non, mais surtout, moi, quand j'étais petit, je ne gagnais pas. Ma mère mettait des tartes. Tu ne vas pas gagner de l'argent avec la console.
Et si, en fait, ma ouais. mère nous a menti. Mais oui. Je me dis, on avait déjà un problème avec le salaire des footballeurs en général. Là, si en plus, ils se rajoutent les footballeurs sur Fortnite, et tout ça, ça me paraît fou, quoi. Écoute, c'est fou, mais pas autant que la vie de Redouane Bougueraba qui doit nous quitter pour aller voir un match de foot. Les amis, moi, allez, je... Ouais. Merci beaucoup. Jamais. Merci, Redouane. Tous les jours. Tous les jours dans Click, on vous recommande une série, un film ou un documentaire. Et ce soir, on parle du film Novembre. Regardez, et on arrive tout de suite. Aujourd'hui, Click vous recommande Novembre, une immersion dans l'antiterrorisme français signée Cédric Jiménez, durant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre. Il y a des tirs dans le 10e arrondissement, des rues, donne-moi les rues. Et Louise est en ligne avec la PP. Reste au bureau, il te regroupe tout le monde. Après nous avoir déjà embarqué avec les forces de police dans la French chez Bac Nord. Tu sais pas ce qu'on a vécu là-bas. Tu sais rien des quartiers nord. Le réalisateur nous plonge dans la brigade de la sous-direction antiterroriste, incarnée notamment par Sandrine Kiberlin, Anaïs Desmoustiers, Jérémy Régnier et Jean Dujardin. On est évidemment préparé pour ça, mais ceux pour qui la charge émotionnelle est trop importante peuvent se mettre sur le côté. Je veux pas qu'on laisse place à nos émotions personnelles. La caméra de Cédric Jiménez bouge beaucoup et vite. Le Stade de France, des terrasses dans Paris et le Bataclan viennent d'être attaqués. Aux dernières informations, il y aurait 2 terroristes, peut-être 3, en fuite dans Paris. Une course contre la montre s'enclenche, la traque commence pour la sous-direction antiterroriste. En ligne de mire, le cerveau présumé des attentats, Abdelhamid Abaoud. Je veux que le moindre type qui a eu un comportement bizarre dans les dernières 24 heures soit en garde à vue. Arrête-toi ! Un personnage clé fait alors son apparition, celui de Samia, interprété par Lina Koudry. Je sais où sont les 2 terroristes. Paris réussi pour Cédric Jiménez. Vous serez pris dans la course effrénée des forces de l'ordre durant les heures cruciales qui ont suivi les attentats du 13 novembre. Bonsoir, Marc Trévidic. Vous êtes président de la cour d'assises à la cour d'appel de Versailles et pendant 10 ans, vous avez été juge antiterroriste. C'est votre vie d'avant, comme vous le dites souvent, mais c'est une vie qui est extrêmement passionnante et importante à raconter. Vous avez quitté vos fonctions juste avant les attentats du 13 novembre. Bonsoir, Marc Verriot. Vous venez de publier ce livre « Au cœur du raid » aux éditions Les Arènes. Vous m'avez offert ce super mug du raid. Merci. Là, on est jaloux. Stylé. Pendant 20 ans, vous avez fait partie de la colonne d'assaut du raid. C'est quoi exactement la colonne d'assaut ? C'est ceux qui, en noir, avec le bouclier et l'arme à la main, rentrent dans l'appartement du criminel pour lui passer les menottes, afin de donner cet individu à la police judiciaire qui le donnera ensuite à la justice. Là, Novembre, c'est un film donc, qui remémore non pas les attentats, mais l'enquête des attentats. Les premières minutes, ça m'a fait penser à vous, Marc Trévidic, parce qu'en fait, on voit, je spoil la première minute, hein. On voit un policier incarné par Jean Dujardin qui traque Abdelhamid Abaoud en Grèce. Et je me rappelle de vous qui n'avez cessé de dire il fallait les surveiller, on les avait signalés. Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est vrai qu'on était sur Abaoud pendant toute l'année 2015 et notamment il avait été localisé en Grèce. Et des regrets, simplement. On n'a pas pu l'empêcher de nuire et à temps. Parce que tout le monde était débordé complètement. Hein. On savait parfaitement qu'il préparait les attentats en France et en Belgique. Il avait envoyé plusieurs personnes. On en a arrêté avant les attentats du 13 novembre. Enfin, moi, j'en ai eu un devant moi le 15 août, hein, qui nous a bien dit qu'il était envoyé par Abaoud pour faire un concert de rock. Donc on savait à quoi s'en tenir. Mais une fois qu'on sait ça, la menace est tellement importante, les moyens n'étaient pas ceux qu'on a eus après. Le 13 novembre, hein. C'était des moyens beaucoup plus limités, avec énormément de gens à contrôler, à surveiller, des frontières complètement perméables. Et voilà, donc c'est un énorme regret de ne pas avoir pu empêcher ça. Quand on voit le film, on se rend compte qu'en fait, à partir du moment où les attentats ont eu lieu à Paris, il n'y a plus aucun détail qui n'échappe à personne. On voit le travail des enquêteurs. Est-ce que vous pouvez me raconter cette histoire des baskets oranges ? Alors, j'avoue que l'histoire des baskets oranges, je ne la connais pas. D'accord, c'est raconté dans le film, vous la connaissez ? Oui, j'ai vu le film dimanche, mais non, je...
Enfin oui, je sais que Abaoud avait été reconnu par un détail vestimentaire. Je ne me rappelais pas que c'était les chaussures oranges. Mais... En fait, ça, il a été traqué grâce à quelqu'un qui avait reconnu une paire de baskets oranges. D'accord, et c'est ce qui avait fait la traque. Et en fait, moi, ça m'a fait poser une question. C'est s'il n'y avait pas eu cette affaire, est-ce qu'ils auraient pu partir? Est-ce qu'on aurait pu les perdre? Cette affaire de détails sur des détails vestimentaires, parfois ça se joue effectivement à pas grand-chose, mais... Quand même, le travail après un attentat, c'est vraiment un travail très minutieux sur la téléphonie, toute la vidéosurveillance. Vous savez qu'ils vont visionner des tonnes d'images pour essayer de voir si une voiture est arrivée pour la suite dans tout Paris. Voilà, les bornages téléphoniques, c'est un travail monstrueux à Paris avec tout ça. Et puis la scène même criminelle, identifier les auteurs, les terroristes, c'est essentiel. C'est les premiers moments les plus importants. Ça permet d'être sûr de... qui on a affaire, hein, d'abord. Et puis après, une fois qu'on a identifié un terroriste, on peut retracer plus facilement d'où il vient, par où il est arrivé. On a vu ça pour ceux qui venaient justement d'ailleurs que la Belgique, puisque malheureusement, pour la Belgique, ça n'a pas marché. Et les douilles utilisées, les armes utilisées, tout ça, on met dans des fichiers. Et ce travail minutieux doit être fait très vite, mais complètement. Et il y a une course contre la montre qui commence. Donc, effectivement, un détail peut tout changer. Là, il faut être clair, 13 novembre, ce n'est pas un détail qui a tout changé, c'est une femme qui a tout changé. Voilà, clairement. Qui est jouée par Lina Koudry dans le film. Ouais. On doit aussi, avec le recul, se dire qu'il est complètement incroyable qu'Abaoud ait pu être en France. Personne imaginait une chose pareille, que quelqu'un qui était complètement recherché, connu, son visage était parfaitement connu, il s'était mis sur Facebook, il s'était mis dans un 4x4 en train de traîner des cadavres, et c'était pas quelqu'un qu'on connaissait pas. Ben, il arrive à traverser des frontières et à venir et à se retrouver à Saint-Denis, c'est ça la réalité. Marc Verriotte, dans l'investigation, je voulais dire, dans l'investigation, ouais. C'est-à-dire la recherche d'indices, souvent ce sont des petits détails, comme pour l'intervention, ce sont des petits détails pris par l'un et l'autre qui à la fin font l'ensemble. C'est pas une personne qui avance, qui amène le paquet tout ficelé. Donc je pense que ces chaussures oranges, ça rentre comme nous en intervention. Les 15 qui prenons des petites décisions en une seconde, c'est ça qui avance, c'est le collectif qui amène le résultat. Moi, je vais vous dire ce qui me bouleverse quand je vous vois, c'est que vous arrivez dans les loges avec un grand sourire, et quand on commence à regarder ce que vous avez fait, vous avez survécu à deux tirs de Mohamed Merah, vous avez fait sauter la porte de l'hypercachère, vous avez connu le Bataclan, des missions en Afghanistan, en Colombie, des go-fast. Comment est-ce qu'on, mentalement, on se remet de ça, en fait? Est-ce qu'on est préparé? Moi, je ne suis pas rentré dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que quand tu rentres au RAID, ce n'est pas vraiment pour la recherche d'émotions ou de danger, choses comme ça. Moi, je suis rentré au RAID un peu comme ma vie d'avant. J'avais été athlète de niveau en judo, en équipe de France. Je suis rentré un peu dans cet état d'esprit-là. Je voulais arrêter plus de voyous. Vous n'étiez pas Franck Gastambide avant, vous étiez vraiment quelqu'un d'autre. Non, mais un délire qui est différent quand même, quoi. Et quand je me suis retrouvé au RAID, en fait, j'ai pas pensé danger, j'ai pas pensé tout ça, j'ai pensé performance un peu sportive. Mmh. Je voulais arrêter le plus de voyous possible et de préférence les plus dangereux possible, mais pas pour l'adrénaline, mais simplement pour la performance. Non, mais au niveau de la santé mentale, comment on dort? Alors, quand je suis arrivé au RAID, en effet, on m'avait prévenu, les anciens, autour d'un verre, on m'avait dit, attention, le service rend fou, parce que on fait des petits cumuls de stress qui un jour peut déborder, mais je ne l'ai pas ressenti comme ça. Non, je n'ai pas débordé, mais j'étais prévenu par... On écoute nos anciens, et nos anciens, il y a eu quelques dépressions nerveuses au bout de 10 ans, même 10 ans après des cas très durs de graves blessures. Donc on est attentif à tout ça, mais... Quand on est dedans, on se concentre tellement sur notre tâche professionnelle qu'on n'a pas l'impression d'être impacté par les émotions ou par les pensées. Dans le film Novembre, il y a une scène où Jean Dujardin perd son sang-froid pendant un interrogatoire et met une gifle à un témoin. Vous dites que cette scène, elle ne peut pas arriver dans la vraie vie. Bon. En effet, c'est ce que j'ai ressenti en regardant le film. J'ai senti qu'il y avait de la fébrilité. Et que les acteurs étaient impactés par des émotions, par une perte de sang-froid. C'est pas l'impression que j'ai, moi, dans la colonne d'assaut. Parce que dans la colonne d'assaut, on est tellement obsédé par notre tâche technique,
par la discrimination des éléments importants dans l'environnement. Il y a des événements qu'il faut saisir, d'autres qu'il faut rejeter. Donc on est tellement concentré là-dessus qu'on n'est pas spectateur de l'affaire, donc on n'est pas vraiment impacté. J'ai déjà marché sur des morts sans m'en rendre compte. Après, on peut être impacté par les images, parce que le cerveau enregistre quand même. Mais au cœur de l'action, vraiment, ça serait une faute professionnelle que de se laisser aller, avoir des pensées, des émotions, des choses comme ça. On pense à la tâche, et puis ça peut impacter, mais pas pendant. Marc Trévillic, vous, est-ce que vous arrivez à dormir tranquille ? Est-ce que j'arrivais à dormir tranquille ? Mais non, ça va mieux. Ça va mieux, ouais. Mais c'est pas le même stress, en fait. Hein. Je pense que nous, c'est vraiment... les juges antiterroristes ne sont pas en danger physiquement comme quelqu'un dans une colonne du raid. Simplement, on a des responsabilités qui sont d'autre nature et qui empêchent de dormir, qui sont, par exemple, j'ai pas beaucoup d'éléments contre ce gars-là, mais alors si je le remets en liberté, il est peut-être dangereux finalement. Est-ce que j'arrête ce gars-là? Je le laisse combien de temps en prison? Il n'y a pas de billes, mais quand même, il a un profil inquiétant. Voilà, évaluer la dangerosité et en tirer des conséquences juridiques. Prison, liberté. C'est quand même pas simple non plus, surtout dans cette matière où on arrête beaucoup de gens qui ne sont pas passés à l'action encore. Là, Marc Trévillic, il y a des hommes et des femmes condamnés pour terrorisme qui vont arriver au bout de leur détention. Comment est-ce qu'on peut savoir s'ils représentent une menace ? Est-ce qu'on continue à les surveiller et qui fait ce travail ? C'est très très compliqué. Il y a ceux dont on est persuadé qu'ils sont dangereux parce qu'ils l'avaient prouvé avant d'aller en détention. Ils ont tué des gens, ils ont fait des atrocités. Mais il y a toute la masse de ceux qui ont été arrêtés, notamment quand c'était très à la mode d'aller en Syrie parce qu'un copain vous appelle, il est déjà sur place, viens nous retrouver, c'est super. Des gens assez faiblement radicalisés qui ont passé même pas 15 jours à Raqqa avant de repartir et d'être mis dans un avion par les Turcs. On n'a pas évalué leur dangerosité. On en a un gros paquet. Et le problème, c'est qu'en maison d'arrêt, même si le renseignement pénitentiaire qui est censé évaluer la radicalité, etc., les gens, ils sont pas cons, ils dissimulent. C'est pas comme observer quelqu'un qui est en liberté, j'allais dire, et voir ce qu'il fait, qu'il rencontre, sans qu'il sache qu'on le surveille, qu'observer quelqu'un qui sait qu'on le surveille. Donc, ces gens qui vont sortir de prison condamnés pour terrorisme, ils savent très bien qu'ils auront la DGSI sur eux. Ça, c'est sûr au départ. Alors après, on aura peut-être affaire à des gens comme les frères Kouachi, on fait rien pendant 2 ans et demi, et puis on passe à l'action quand justement la surveillance est levée, ou des gens qui seront trop impatients et qui voudront aller trop vite, et là on les arrêtera. C'est ça l'enjeu. On ne peut pas surveiller éternellement des gens qui ne font rien. Donc il va y avoir ce problème. D'abord, il faut savoir aussi que cette personne est une cible très importante, on va mettre beaucoup de moyens, pas trop importante, on met moins de moyens, et surveiller au jour le jour pendant longtemps une personne, ça demande énormément de moyens. Voilà, donc il ne faut pas rêver, ce n'est pas un système qui est complètement étanche, par définition, surtout les mois passants, d'autres préoccupations, d'autres cibles, ça dépend aussi des moyens qu'on peut mettre. Yacine ? Moi, j'ai vécu à cette époque-là un moment un peu bizarre. J'étais dans le... On faisait un sketch dans une antenne très connue d'M6, et c'était quelque chose où on était filmé, et à un moment donné, comme il y avait les terroristes qu'on recherchait, on nous a dit « vous pouvez évacuer ». J'avais jamais vécu ça, on nous a dit « on risque d'être la cible des terroristes, donc vous pouvez évacuer ». Et c'est la première fois de ma vie que j'ai dû faire un choix, genre peut-être qu'il peut se passer quelque chose de très dangereux, et on a décidé de rester déguisé ridiculement à faire un sketch débile en disant « ok, on mourra peut-être pour des blagues, mais on verra où on va ». Et c'est vrai que ça nous a réellement traumatisés. Tout le pays a été traumatisé par ces événements. Je me souviens que dans le métro, les gens se regardaient dans les yeux. Moi, j'avais des grosses doudounes d'hiver. On me regardait dans les yeux aussi, certainement peut-être parce que je suis maghrébin, donc je peux correspondre à un certain profil. Il y a eu beaucoup d'amalgames, beaucoup de peurs qui ont été mis sur les maghrébins. Et donc, j'ai envie aussi de vous poser la question. Avec tout ce que vous avez vécu, qui est très, très difficile, au-delà de vous remercier pour ce que vous avez fait, est-ce que vous avez, à un moment donné, amalgamé les choses, vous aussi, de votre côté ? Est-ce que vous avez nourri une certaine peur, comme beaucoup de gens dans le pays, en général, est-ce que vous avez peur des Arabes, un peu dit trivialement ? Alors, je crois qu'il a peur de rien, lui. Ouais. Alors ça, d'après ce que tu m'as lu, c'est un changement. On nous renvoie souvent cette image, nous, la police, je parle avec un grand P, d'éventuellement de racisme, etc. Mais en fait, moi, je vous ramène à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on part sur une intervention, nous, on ne nous dit pas l'otage, il est blanc, vert, jaune, le terroriste, il est de telle origine. Bien sûr. Et donc, en fait, on a... Et ça, c'est important de le dire.
Moi, j'étais vraiment dans une bulle professionnelle. Et toutes ces choses-là, c'est vraiment à part. C'est quand tu t'intéresses à la politique. Oui, c'est de la politique déjà. Mais nous, on est des spécialistes, en fait. Et j'avais vécu ça, la même chose, quand j'étais judo. J'avais l'impression d'être, je ne veux pas banaliser le terme, mais un autisme du judo. Et bien, dans la police, après, au RAID, bah, j'étais un spécialiste. Spécialiste vous êtes dans de, votre couloir et vous de l'intervention. Et en fait, j'étais blessé quand on me disait qu'on pouvait être raciste. Parce qu'en effet, nous, moi, j'ai sauvé... Enfin, mes camarades et moi, on s'est engagés sur des otages, mais sans du tout savoir si c'était une femme, un handicapé, quelle couleur, oui, voilà. Oui, je comprends. Oui. Et donc, parce que le but du jeu, c'est quand même l'intérêt collectif, et toutes ces histoires, c'est de la politique. Après, c'est des doubles tiroirs. Et quand tu es un spécialiste propre à l'intervention, tu dois être capable d'aller chercher les éléments important, précis. Marc après, Trévidic. Tous les autres choses, c'est trop. Merci de le dire, c'est important de l'entendre. Merci beaucoup. Merci. Marc Trévidic, est-ce qu'on doit encore s'inquiéter, pour terminer? Oui, bien sûr, mais ça dépend de quoi on veut s'inquiéter. On a passé un pic en matière de terrorisme, il y en a eu d'autres. En 2001, c'était pas mal aussi, en 2001-2002. Le terrorisme, c'est comme ça, hein, ça fonctionne comme ça. Tant que l'idéologie qui sous-tend une forme violente pour s'exprimer existe, c'est une question plutôt de réorganisation de l'adversaire et puis de nous d'être assez forts. Mais actuellement, la situation est un peu inversée. En 2015, l'ennemi était très fort, on était faible. Aujourd'hui, on a mis beaucoup de moyens et l'ennemi est faible actuellement. Donc théoriquement, dans un avenir bref, on devrait y arriver. Vous allez pas me contredire pour terminer l'émission. On sait que c'est un projet qui a été théorisé, qui a été écrit, qui a été pensé. Et leur projet, c'est de déstabiliser nos sociétés en créant de la division. Et j'aimerais juste dire, et vous allez être d'accord avec moi, que la meilleure réponse, c'est d'être unis, en fait. Ouais. Et que c'est de ne pas verser dans la haine et dans la xénophobie. Et jamais surréagir. Ouais. C'est ce qu'on appelle action sur réaction. Un terroriste, un groupe terroriste fait une action terroriste pour que la démocratie en face surréagisse. S'en prennent à la population, par exemple, musulmane, de façon indifférenciée. Ce qui fait que cette surréaction va leur donner plein de recrues. Un groupe terroriste, c'est fort des recrues qu'il peut faire. Hein. Donc la meilleure réponse, c'est une France unie. Ouais. C'est une France unie, et puis pas de surréaction. La France unie. Avant de vous laisser... j'aimerais juste vous remercier d'être venu sur ce plateau. Marc Trévidic, vous savez qu'on vous kiffe. Hein. Marc Vériot, pareil. Vous venez quand vous voulez nous raconter des histoires, on vous kiffe aussi. Vous venez de publier ce livre, Au cœur du RAID, aux éditions Les Arènes. Je vous le conseille vraiment. C'est un livre et c'est un film. J'espère qu'on fera un film sur votre vie. Merci beaucoup Pauline, merci Freddy, merci Yacine, merci Charlotte. Merci demain, Dossé, l'homme de la semaine, son album est incroyable, sera avec nous en plateau. Et je vous le rappelle, un Kilikix, Kanye West est dans la boîte et il est tout simplement phénoménal. 20 minutes de kiff, à demain 19h15 en clair sur Canal+, on vous aime.